Hello tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle case. On arrive à la fin, hein, doucement. Je vous ai déjà montré ce que c'était. Alors, c'est une nouvelle case et elle est assez lourde. Il s'agit d'une petite bouillotte sèche donc, que j'ai fait avec ce petit tissu magnifique et des petites oreilles. Je trouve ça trop chou. Donc, c'est une bouillotte que vous allez adorer manipuler. Moi, je m'en lasse pas sincèrement. Même fraîche sans la chauffer, je trouve ça trop agréable. Et il y a une odeur de riz, parce que j'ai mis du riz, c'est très agréable je trouve. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Je sais qu'on peut faire ça avec du blé, des noyaux de cerise, etc. Mais moi j'aime beaucoup le riz. Donc je vous mets en description tout comment faire avec cette bouillotte. Donc normalement c'est partout pareil, c'est 30 secondes au micro-ondes avec idéalement un petit verre d'eau à côté pour ne pas laisser sécher les grains. Et puis vous en profitez. Vous pouvez aussi mettre sur le radiateur, ça marche tout pareil. Et puis le garder contre vous, mais aussi en faire profiter vos animaux. Donc eux aussi ont droit à un petit peu de chaleur. Donc n'hésitez pas à leur en faire profiter, bien sûr, sous surveillance encore une fois. Mais si vous devez aller par exemple au vétérinaire, vous faites chauffer votre petite bouillotte, vous le mettez dans la caisse de transport, normalement il n'y aura pas de souci le temps d'un trajet. Voilà, donc j'espère que cette petite bouillotte, peut-être votre première, vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle case. Ciao !